Mais nous avons surtout maintenant besoin de continuer à coordonner nos politiques de relance budgétaire et nos politiques Pour monétaires. l'Angleterre, il y avait du soleil et j'étais au bord de la mer. Donc il y avait tout le groupe chinois et les japonais. Il y avait les japonais. Je ne sais pas s'ils avaient les chinois, mais ils avaient les japonais. J'ai pris des notes sur ce qu'il a dit. Donc Macron a fait sa présentation, une présentation où il a parlé de l'Afrique. Et est-ce que ces démocraties arrivent à construire une réponse coordonnée aux défis climatiques, technologiques, humains? Il a parlé d'envoyer plus de vaccins en Afrique. Et pour qu'il ne se trompe pas, on va essayer de vérifier d'abord auprès des Africains pour voir s'ils ont demandé des vaccins et parce qu'il peut y avoir des problèmes de traduction. Mais chère Tony, ma guerre est assise, donc les G7, c'est une histoire de famille. Donc les ennemis du G7, ce sont les ennemis de la famille européenne. C'était par rapport à Poutine, quand la rencontre de Biden et Poutine. Donc, est-ce qu'ils considèrent Poutine comme un ennemi? Tout ennemi de la famille est ennemi du G7. Nous avons obtenu que l'ensemble des membres du G7 acceptent de suivre le mouvement que nous avions initié à Paris. L'entrepreneuriat féminin. Les femmes sont. Elles sont partout. Où elles sont dans la cuisine. Elles vont au marché, elles achètent les choses, elles vendent les choses, elles font des enfants, elles sont partout. Donc on se demande où est-ce qu'on peut les mettre. Si là où il y a des endroits où elles peuvent être, où les hommes ne peuvent pas être. Donc pour résoudre ce problème, ils ont parlé de financement. Donc, ils vont financer les organisations qui s'occupent de l'entrepreneuriat féminin, Ces c'est-à-dire. valeurs sont partagées par l'ensemble des membres présents autour de la table. Je me félicite pour ma part. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux pour les prochaines réunions? Parce qu'il y a la réunion de l'OTAN qui arrive. Bon, on ne peut pas améliorer le climat. Le climat, c'était parfait. Le climat qu'ils ont eu en Angleterre était un très bon climat. Bon, on ne peut pas améliorer les gens qu'ils ont rencontrés. Ils ont déjà fait plusieurs réunions dans ces semaines passées. Il va retrouver Angela Merkel, Joe Biden, Boris Johnson. Il n'a pas voulu dépenser l'argent qu'il faut pour bien recevoir les gens. Les salles de réunion étaient trop petites. Ce n'était pas approprié pour le président. Il méritait mieux que cela. Parce que c'est un partenariat mutuellement respectueux et qui... Ils ne sont pas obligés d'amener leurs femmes cette fois-ci. Ils ne sont pas obligés d'avoir leurs femmes autour d'eux. Les tenues rouges et roses, c'était un peu trop.